vous fin prendre une décision dans le cahier politique au sein du PMSD aujourd'hui? Dis-nous un petit peu plus. Akis, pour moi, c'est le pays avant tout. Donc, nous finissons suivre un petit peu les événements de ces derniers jours sur l'échiquier politique, tenant une décision qu'on prend et tenant une façon de faire la politique. Donc, premièrement, pour moi, le pays avant tout. Après, tout n'est pas possible en politique. Hein? Tout n'est pas possible en politique pour moi. Donc, de ce fait, après réflexion, mais aussi après qu'il m'a fini de joindre mon mandat, des milliers, des centaines de personnes qui finissent call moi, et aussi qu'il y a un survey qui finit faire un groupe qui est après 22 000 du monde, quotidien 97% couche à l'obine, prend une décision, guette pays avant, pas guette les autres considérations. Moi, guette le pays, parce que, à qui est-ce que moi te connais, moi rentre dans le PMSD en 2017, quand je finis quitte gouvernement pour sauver la démocratie, quand je n'ai pas accepté à participer dans le débat pour amender la Constitution, pour passer le Prosecution Commission Bill. Donc, mon combat politique qui commençait étant le PMSD qui est le gouvernement. Donc, moi, je prends ça flambeau là ensemble avec PMSD pour nous militer pendant toute cette année-là, dire qui nous besoin approfondir la démocratie, nous besoin parler nous ban institutions sombrées, nous besoin parler nous ban institutions être interférées par la chose politique et nous combat au sein de l'opposition parlementaire, unis ensemble avec Travailliste et MMM. C'était un combat pour capable projeter l'alternance et aussi rejoindre un petit peu qui, c'est qui résistance et qu'alternative médias, c'est-à-dire nous besoin amener une grande réforme de la Constitution. Sans le système, pas si c'est X mais Y, sans le système pour capable faire dire nous bisons gain élection avec une grande majorité et pour capable sans la constitution nous gain trois quarts, il est là à mettre une grande réforme. Si vous pouvez une grande réforme législative, administrative, pas pour capable faire ça changement systémique qui ça paye la misère. Donc, pour donner confiance la jeunesse mauricienne qui est dans l'avenir dans ce pays-là, pour redonner confiance les peuples mauriciens qui est dans un futur meilleur, nous bisons capables, après 56 ans d'indépendance, réfléchir comment nous bisons approfondir nous la démocratie. Nous finissons gagner l'affaire Wakashio, nous finissons gagner des dégâts écologiques, nous pays plus que jamais menacés par le changement climatique. Donc la Constitution bien réfléchir beaucoup, beaucoup de affaires. Donc la Constitution, même dans cet élan patriotique-là, moi, je n'ai pas plus capable, laisse mon pays sombrer comme il est. Donc, je prends l'initiative, je prends les devants, je assume mes responsabilités, le pays avant tout, et je prends ensemble avec mon camarade de l'opposition parlementaire, Parti Travailliste, MMM, pour nous continuer ce combat-là, pour qu'il nous capable de représenter l'alternance pour ce pays-là. Mon combat qui me peut continuer, c'est qu'il me fait un engagement, et moi, pour continuer à dire. Ou tu peux appréhender qui ou ex-parti, le PMSD, tu peux ouvrir une discussion avec MSM, c'est ça qui nous pousse un petit peu pour une décision pareille? Ben, écoute, nous tout connaissons l'échiquier politique en ébullition, nous tout connaissons comment ça a été. Xavier Luc Duval, même fin, il dit, comme ça, le PMSD, pas pour le toucher dans la prochaine élection. Donc, de facto, s'il n'est pas dans l'alliance de l'opposition parlementaire, mais de facto, nous connaissons dans les jours, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, qui peut arriver. Les coules de source, nous n'avons pas besoin d'être une boule de cristal. Bien sûr, il y a un build-up de l'opinion publique au sein du PMSD. C'est tout à son honneur, il peut faire ça, un build-up pour rassurer tout le monde du PMSD. Mais la majorité n'a pas d'accord pour prendre sa initiative qui je peux reprendre dans les semaines à venir. Moi, j'espérais que le PMSD ressaisisse. Moi, j'espérais qu'Isabelle Duval écoute ce qu'il m'a fait dire dans le passé, au sein des instances du parti, mais aussi dans la lettre qu'il m'a fait envoyer. Qui m'a dit comme ça, sous crédibilité, il a fait une build-up pendant toute sa banane là. Il jouit d'une estime dans la tête de tous les Mauriciens, qu'il fait un excellent travail comme leader de l'opposition. M'a dit que sa crédibilité qu'il a fait gagner là, après tant d'expérience dans la politique, pas laisser ça aller, il est priceless. Je mentionne les priceless, je les ai comme je joins les, je les mets dans ma tête, dans ma lettre. Sa crédibilité qu'il a ramassée là, les priceless. Donc, les bizarres guettent l'avenir du pays avant tout. Donc, nous guettons l'avenir du pays. Moi, je finis assumer mes responsabilités.
Maurice est un camarade avec Xavier-Luc Duval. Anytime, les business au service ou anytime, il a envie de consulter moi, il feel free, nous là. Camarade, lit au-delà de la chose politique. Mais, il y a une décision pour prendre pour l'avenir politique. Mon papa retrouve moi dans l'agenda politique futur du PMSD tel qu'elle est. Donc, moi, mon préfère continue mon combat. Et dans les jours à venir, je vais définir comment je vais continuer ce combat-là, le terrain, toujours dans ma circonscription, mais aussi dans les autres parties de l'île.